À la suite de la récente série d'accidents dramatiques où des chiens ont blessé et parfois tué de jeunes enfants, le Sénat a adopté le nouveau projet de loi sur les chiens dangereux. Ce projet, porté par la ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, vient renforcer la loi de 1999 sur les chiens de première et deuxième catégorie. Le nouveau texte, qui sera encore débattu et voté à l'Assemblée nationale, veut renforcer le contrôle des chiens à risque, même s'il faut pour cela éradiquer purement et simplement certaines races. La nouvelle loi donnera des pouvoirs accrus aux maires et prévoit une formation obligatoire pour les détenteurs de chiens de première et deuxième catégorie. Les dispositions de cette nouvelle loi n'éviteront pas les accidents. Toutefois, il y a des règles élémentaires à respecter lorsque l'on vit avec un chien. Fais le tour. Ce sont ces règles simples que Bruno Legrand, éducateur canin depuis plus de 20 ans, va passer en revue pour nous. Selon Bruno, les récents faits divers sont directement liés à une perte de repères hiérarchiques entre les chiens et leurs maîtres. L'éducation et la socialisation des chiens et des chiots n'est pas suffisamment prise au sérieux dans notre pays. Il est absolument impératif de travailler sur des mesures vraiment préventives, aussi bien en assainissant complètement les filières de production, importation des chiens des pays de l'Est, etc., etc., et également éviter de considérer, comme le font malheureusement beaucoup trop les gens, le chien comme étant une béquille affective, où on ne va développer avec lui que des relations purement ludiques, hédoniques, affectives, etc., etc. À partir de là, dès qu'il y a un petit problème, que le chien a un tempérament un peu fort, qu'on a eu une conduite beaucoup trop permissive et beaucoup plus laxiste à son égard, et qu'un jour on veut le forcer à être manipulé, à être brossé, à sortir du canapé, etc., et ben le chien vous manifeste très clairement son refus en vous grognant dessus, et lorsque vous insistez, le chien va vous mordre. Pour lui, c'est pas du tout un comportement pathologique, c'est un comportement normal. Il vous dit « Attends, toi t'es gentil, mais ça fait un an que tu m'expliques que je suis le patron à la maison, donc je te remets à ta place. » Il faut absolument réintégrer comme moteur, comme centre principal, la responsabilité pleine et entière du propriétaire de chien qui, grâce à son vétérinaire et à son éducateur ou à son club d'éducation, va construire par ses propres mains la stabilité émotionnelle et l'éducation d'un chien qui va s'insérer de manière harmonieuse dans la société, dans la famille, etc., etc. Première mise en garde, un chien, quelle que soit sa race, du Golden Retriever au Rottweiler, ne doit jamais être laissé seul avec un enfant. On te fait une petite beauté. Par la force de l'habitude, très souvent, on peut effectivement avoir besoin de s'éclipser, de sortir de la pièce pendant 10 secondes, 30 secondes. Dans le cas de figure que l'on vient de rencontrer, on s'aperçoit effectivement que tout se passe bien, il y a la surveillance d'un adulte responsable. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le téléphone peut sonner, on a besoin d'aller dans le bureau chercher quelque chose et on va s'éclipser, on va laisser son enfant seul, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Et le facteur accidentogène, il est à ce moment-là. Puisque pendant ce laps de temps, l'enfant peut parfaitement, à un moment donné, avoir envie de continuer le travail de papa. À ce moment-là, le chien qui va supporter éventuellement les manipulations, le brossage de la part d'un dominant, du papa, va pas forcément accepter de la part de l'enfant. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il peut mettre un jeté de gueule qui peut être extrêmement délabrant. C'est même pas 10 secondes, c'est même pas une seconde. Laisser un chien seul avec un enfant, ça doit être un tabou, ça doit être un interdit absolu. Qu'est-ce qui peut arriver? Pas là-bas. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était demander par exemple au chien de retourner à sa place, d'accord, pour éviter quelque interaction avec votre enfant. Tout simplement remettre le chien dans le jardin où il était auparavant, d'accord, et bien signifier à votre enfant qu'il fallait absolument pas aller continuer le toilettage que vous aviez mis en place, aller voir le chien à sa place pour lui faire un câlin, etc., etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons là le cas de figure d'un Golden Retriever, donc d'un chien de compagnie qu'on connaît tous bien. Donc il faut absolument arrêter de stigmatiser un certain nombre de races de chiens. Les chiffres sont très parlants. Pit, Staff, Rottweiler, c'est 5%, à peine 5% des cas de figure dans les morsures. 95%, c'est les autres races de chiens ou des bâtards, des corgnaux, etc., etc. Sur les 200 à 250 000 morsures à déplorer chaque année, une immense majorité a lieu au sein de la famille. Certaines situations, pourtant très banales, peuvent en effet provoquer des drames. Exemple, avec ce chien surpris par l'arrivée d'une poussette sur son territoire. Salut Steve. Ça va, François? Ça va? Ouais.
Ça va toi? La forme? Non mais regarde-moi. Des situations que nous vivons nous au quotidien, pour le chien qui n'y a pas été préparé, ça peut être quelque chose du domaine de l'inconnu, de l'insolite qui va l'inquiéter, qui va le stresser. Il faut savoir que le chien, lui, doit absolument avoir pris connaissance en amont de ce que c'est qu'un bébé ou de ce que c'est qu'un enfant. C'est pas du tout, contrairement à ce qu'on peut lire à droite à gauche, un pétage de câble ou le chien tout d'un coup qui devient malade et tout, pas du tout. D'ailleurs, l'expérience nous montre que 2 minutes après, que le chien est mordu des enfants, le chien a un comportement social tout à fait normal. Pop, il était chez lui, il a chassé de son territoire quelque chose qui l'inquiétait. Dans cette situation-là, c'était programmé, vous saviez que vous alliez recevoir des invités qui ont des petits-enfants. Vous savez que le chien n'est pas du tout socialisé, qu'il n'a pas l'habitude, vous vous posez des questions. Faites fi de ce que vous entendez à droite à gauche, du genre on va prendre des vêtements, on va les faire renifler au chien, tout ça c'est du domaine du truc et astuce, on joue à la roulette russe. La seule réponse et l'unique réponse c'est l'isolement, d'accord? Donc vous prenez vos précautions avant, vous mettez le chien dans le garage. On ne resocialise pas un chien en l'espace de 5 secondes, on s'y prend pas 5 minutes avant pour gérer ce type de problème. Autre situation critique, le jeu. 30% des morsures sont dues à des comportements inappropriés ou non maîtrisés, qui plus est si l'enfant joue en dehors de la surveillance d'un adulte. Attention les enfants, doucement, doucement avec Silas. Là on est vraiment dans une configuration de jeu qu'on retrouve dans les fratries, où les chiens jouent ensemble pour essayer de positionner un peu un statut hiérarchique. D'accord, il ne faut jamais perdre ça de l'esprit. Et savoir qu'à un moment donné, le chien va se trouver en situation d'infériorité et va vouloir reprendre le dessus sur l'enfant. Et il va le faire à la mode canine. C'est-à-dire qu'il peut grogner, il peut mettre un jeté de gueule, il peut vraiment... On va à l'accident en faisant ce genre de choses. Donc là, je vais vous montrer comment on démarre une séquence de jeu sans aucun danger pour les enfants. D'accord? Donc le chien est en position assise, vous avez l'objet. Là, vous l'excitez un peu à la voix. Silas, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Voilà, on lui donne son petit objet qu'il adore, qu'il affectionne, et on partage une phase de jeu avec son chien. Il est content, il joue, c'est bien le chien, très bien. Voilà, mais à un moment donné, il faut arrêter la séquence, qu'il ne s'énerve pas. Silas, halt. Et voilà. On contrôle tout. C'est pas lui qui décide, c'est le maître qui décide tout le temps. Allez, Maria. Moins fréquents, les morsures sur la voie publique n'en sont pas moins dramatiques. Catherine en sait quelque chose. Amoureuse des bulldogs, sa rencontre il y a 9 ans avec un pitbull a marqué à tout jamais son corps et son esprit. C'est un chien que j'aime bien, c'est un chien qui m'attire, donc j'ai demandé pour le caresser. Je l'ai caressé et il m'a mordu. Il m'a mordu à la lèvre supérieure gauche. Juste là, il a mangé en fin de compte tout ça. Donc il n'y a pas de greffe, il n'y a rien. Ça a été reconstitué simplement en tirant la peau par un chirurgien esthétique. Mais ils n'ont pas pu refaire les nerfs correctement. Donc une douleur toujours impressionnante, ouais. Quand il fait froid, voilà. Catherine n'en a jamais voulu au chien qui l'a agressé. C'est bien les filles, c'est bien. Le coupable pour moi était le maître, n'était pas le chien. Donc je n'ai pas voulu qu'on le pique. Le chien a vécu sa belle vie jusqu'à sa mort, je pense, parce que je n'ai pas eu de nouvelles. Et c'était le maître pour moi le responsable. Il n'aurait pas dû m'autoriser à caresser son chien s'il y avait un souci. Ça me met en colère, parce que ce n'est pas les chiens qui sont dangereux. C'est les maîtres qui sont dangereux. Donc ça me met en colère de mettre des catégories pour les chiens. Aujourd'hui, Catherine a totalement surmonté ses craintes. Elle a donc accepté de rencontrer Bruno Legrand afin qu'ensemble, il nous explique comment aborder un chien dans la rue. Voilà, donc là on s'approche, on arrive près de la personne, on met le chien en position assis pour l'immobiliser tranquillement. Voilà, vous parlez gentiment au chien en vous accroupissant, allez-y. Bonjour mon papa. Voilà, salut, on lui parle, papa. Le flux verbal est très sympa, très gentil, on tend la main comme ceci pour que le chien prenne connaissance. Le chien n'a pas de réaction, à ce moment-là vous pouvez commencer à le caresser d'abord en général sur le côté ou sur le dessus. Et surtout ne jamais approcher votre visage de la gueule du chien. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se pencher comme ça un peu vers le chien, à lui parler gentiment, à lui faire des grands sourires, comme si le chien comprenait ce qui se passait, mais le chien va avoir une interprétation différente. Si en plus, catastrophe suprême, le propriétaire ne sait pas bien tenir son chien en laisse, et que la laisse est tendue au lieu d'être parfaitement détendue, hein, le chien va se sentir bloqué, en prison quelque part, et comme il va avoir lu plein de signaux
qui vont l'inquiéter et qui ne peut pas fuir, qu'est-ce qu'il va faire à ce moment-là? Eh bien, il risque de faire de l'autodéfense et d'aller mettre un jeté de gueule sur la personne, sur la main ou sur le visage qui va se présenter à cet instant. Et là, c'est dramatique. C'est bien, tu joues avec la chienne, tu bouges, caresse-la, caresse-la. Chiens dangereux, maîtres irresponsables et parfois parents inconscients sont à l'origine de ces drames dont les victimes sont trop souvent des enfants. La solution ne passerait-elle pas par la formation des plus jeunes? C'est le cas ici, en Suisse, où une association apprend aux enfants, d'une façon très ludique, à faire très attention en présence d'un chien. Un reportage que vous avez pu découvrir il y a quelques mois dans l'émission. Et pour aller dans ce sens, la Fondation 30 millions d'amis a soumis à Xavier Darcos, ministre de l'Éducation nationale, un projet visant à intégrer au cursus scolaire des cours d'information, de sensibilisation et de prévention dès la maternelle. Si on ne fait pas tout à fait juste, qu'est-ce qui peut nous arriver, Luca ? Nous mordre. Le chien, il peut nous mordre. Les chiens font partie intégrante de la famille et il est primordial que l'on puisse expliquer aux plus jeunes le comportement à avoir en présence d'un animal. Mais aussi lui apprendre à reconnaître les signes avant-coureurs d'une agression.